Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone. Et je vais poursuivre mon aventure dans le mode mercenaire. Alors ce mode qui est quand même sympa, c'est-à-dire qu'on affronte par contre des bots. C'est une mission, une sorte de mission. Qu'est-ce que j'ai là? On va aller voir le point d'exclamation. Terminé. Ok, on va récupérer quelques petites récompenses. Ça peut toujours servir. So, c'est vrai que le... Oh, ça c'est pas mal. Le dernier niveau, j'ai eu un peu plus de mal aussi, hein. Ok, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a là? 5. Ah, je peux ouvrir des boosters mercenaires. Eh ben, on y va. Allez, on y va. On va les découvrir ensemble. Alors. Épique en plus. Vol'jin. Va falloir aller voir ce que c'est comme carte. Pas mal. Pas mal. Oh, les bonus, ils sont bien là. Parce que j'étais un peu limite dans la dernière mission niveau 15. Donc là, hop, je prends. Oh, les bonus, ils sont bien. Allez, on va continuer. On va aller ouvrir les autres. Allez voir cette épique, ce que c'est. Rare. Ok. Macaron. Alors, c'est vrai que je suis resté cantonné à une équipe de jeu. Que j'ai récupéré depuis le début et que j'ai fait progresser. On va voir ce que... Rare. Ok. Mais effectivement, ouh, il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal de récupération là. Ouais, ça c'est sympa, c'est cool. Épique. Oh, une deuxième épique. Ok. Il va falloir quand même aller que je me renseigne là-dedans parce que... D'accord, ok. Et le dernier booster. Encore une épique. Trois épiques. J'ai eu trois épiques dans ces cinq boosters. Bon, je vais aller voir ce que ça représente. Parce que il va falloir voir si je peux éventuellement changer mon équipe. Point d'exclamation. Alors, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Ah mais c'était d'acheter des paquets. Bon, laisse tomber. On va aller voir l'équipe un petit peu. Est-ce que j'ai récupéré? Alors... Non, ça m'intéresse pas de sélectionner, de personnaliser quoi que ce soit. Ça, c'est une épique. Attaque un adversaire et donne 2 PV à vos démons. Ah oui, quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il attaque, il donne 2 points de vue. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est pas mal. Alors, Wham. Gagne 1 PV et attaque un adversaire. Si c'est un combattant, gagne 3 PV à la place. Ok. Deux PV, je peux l'améliorer encore. Bah, je vais améliorer. Hein. Alors, je dis pas que je vais le récupérer parce que comparé aux autres personnages que j'ai, qui sont quand même bon, beaucoup plus puissants. Bon, là on a fait le tour. Après, les démons, comment. Lui, c'est quoi ça? Bon, allez, on va aller voir les autres serviteurs. Ah, lui, il va progresser. Ça, c'est pas mal. Alors lui c'est un démon, c'est un épique, inflige 4 points de dégâts à un adversaire et à ses voisins. D'accord. Ouh, je progresse dans plein de trucs. Alors là, faut pas que je me rate. Attaque un adversaire. Si vous contrôlez un autre orc, gagne d'abord un ATK, ça m'intéresse pas. Non. Inflige 4 points de dégâts, recommence pour chaque orc que vous contrôlez. Ah ouais, ça c'est pas mal, 7 points de dégâts, ça c'est pas mal du tout. Ok. Lui, il fait quoi lui? Donne
Attaque un adversaire, donne 2-2 à tous les orques blessés. C'est vrai que j'utilise des personnages qui sont peut-être pas les meilleurs, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Rendu 1, inflige 4 points de dégâts à un adversaire, rend 4 points PV à un humain allié aléatoire. C'est vrai qu'il y a des personnages qui sont sympas. Lui, il fait quoi, lui? Inflige 2 points de dégâts, donne un PV à vos autres murlocs. Bon, on va le. Je vais l'améliorer. Un PV aux autres murlocs. Il va falloir peut-être que je joue plus tard dans les autres. Bah, plus je vais augmenter. Il va falloir que je joue des catégories de serviteurs parce que sinon je vais être coincé. Je pourrais pas faire n'importe quoi. Il va falloir peut-être que je recommence dès le début pour faire de l'expérience avec d'autres serviteurs qui peuvent être pas mal. Bon, allez, bon, on va partir au combat quand même. Allez, niveau héroïque, les tarides. Allez, celui-là, on est parti. Alors, je sais pas si c'est un bug qui est deux fois le niveau 15. On va voir ce que ça donne. Bon, mes serviteurs classiques n'ont pas tellement augmenté. Mais. Alors, c'est vrai que les autres fois. Toutes les premières vidéos, j'ai pas eu trop de problèmes pour flancher les niveaux. La dernière vidéo sur le mode 15, j'ai vraiment eu du mal au début. J'avais pas les serviteurs adaptés. Oh. Il m'a fallu de l'expérience. Alors, à la fin du tour, inflige des dégâts d'un montant égal à la TK à tous les adversaires. Ok. 4. Ah ouais, ça c'est pas mal. Il est embêtant lui. Et Kisen subisse des dégâts à la fin de chaque tour. Les soignés peuvent arrêter ça du moins. Ils sont costauds quand même, hein. Lui, il faut le faire en premier, après j'ai pas le choix. Ouais, bon, on va voir. Alors, je vais prendre lui. Faut des points de vie. Ils ont beaucoup de points de vie. On va voir ce que ça donne comme ça. Alors, lui, 7. Voilà. Ça change rien du tout. Allez, on y va. Ouh là là. C'était chaud patate là. Bon. Il a combien? 18? Pas le choix. Est-ce que je prends le risque?
Ah, dommage, ils n'ont pas gagné en expérience. Ils étaient pas loin. Ou alors ils sont au maximum. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, on va prendre celui à gauche. Allez, on va essayer d'affaiblir le... Ah ben non. Tenter comme ça. Ouh, c'est... J'ai l'impression que je m'en suis sorti de justesse. Ouf, j'en ai pas perdu. J'ai pas perdu de serviteur. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais... Ah, ça y est, et en plus il gagne. Il gagne, il change de niveau. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, pas mal du tout. Bon. Là, c'est vrai qu'avec le pouvoir que j'ai eu en plus sur l'autre serviteur, c'est une bonne combinaison. Les trois ensemble sont plutôt pas mal. Alors lui... Ah, fiche 6 points de dégâts, le bonus aux dégâts des arcanes est doublé pour cette capacité. De dégâts, à un adversaire lui donne moins 5 d'ATK. Oh, c'est pas mal ça. On va prendre celui-là en premier. Allez, toujours à gauche. C'est costaud là. Bon, je vais reprendre les trois. Par contre, il faut pas que je me rate là.
On va tenter comme ça. Là, j'ai perdu mon serviteur en un coup, en un tour. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, oh là là, attaque un adversaire, coup de grâce, gagne 5 d'ATK. Allez, on va attaquer celui-là, on va voir. On va prendre le risque. Ok. Bon, ça c'est fait. Bon, ça c'est très très bien passé. C'est dommage qu'au premier tour, au court tour d'avant, j'ai perdu. Hop. C'est dommage. Bon, bah là, on va. On va jouer comme ça. Voilà. Bon, j'ai perdu un serviteur. C'est pas de bol. Mais bon. Bon, c'est bien. Je continue de progresser. Je suis toujours dans la course, là, de toute façon. Là, je trouve que je suis quand même plutôt bien, bien placé. Oh! Oh, ça c'est pas mal. Alors les deux cumulés, ça va être pas mal du tout. Qu'est-ce que je fais? Lanceur de sort des deux équipes obtiennent un bonus aléatoire. Est-ce que j'ai besoin de ça? Oh là là! Allez, on y va. On va voir. C'est dommage que j'ai perdu l'autre là. D'accord. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Ouais, on va essayer d'attaquer qu'un seul adversaire. Oh, moins 10 direct. D'accord, ok. Ça va être compliqué là.
Bon. Ouais, on va, faut l'achever là. Voilà, c'est fait, mais je suis limite, j'ai plus que mes trois serviteurs, donc. Bon. Après, je dis pas si je perds là et que je recommence, je suis pas sûr que. De la ronde, plus 3, plus 5, je vais prendre ça. Je suis pas sûr que j'ai les mêmes bonus si je recommence, donc. Là, c'est. J'ai pas le choix, il faut que ça passe. Il va falloir jouer stratégique. Pas que je me rate. Après, je peux perdre des serviteurs, c'est pas grave. Hein. Wow, 10-100. Oh là là, 8-70. Oh, po, 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 po. Ça va être compliqué. De toute façon, on verra bien, mais là, ça me paraît mal barré. Wow. C'est très mal barré. Voilà, j'ai perdu un. C'est injouable. Injouable. Ouais, c'est perdu de toute façon, ça sert plus à rien. Eh ben, c'est. Ouais, c'est dommage d'être arrivé jusque-là et puis de perdre comme ça. Ouais, pas top. Bon, bah, je repars, hein, de toute façon. Allez, on repart, on va retenter tout de suite. J'étais pas loin du tout. Vraiment, 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 vraiment. J'ai perdu des serviteurs trop vite. À la fin, même si j'avais eu un ou deux serviteurs de plus, j'aurais perdu quand même parce qu'ils étaient trop forts. Il aurait fallu que je dégomme celui du centre là. Qui... Ah, c'était compliqué. Bon.
Voyons. Oh, purée. Bon, ça y est, ça passe sans perte de serviteur. Voilà. C'est pas mal. Il faut que je prenne ça. Voilà, on va passer à gauche. Voir ce que ça va donner. Il est plus puissant là, bon. On va reprendre la même équipe. Bon, on va voir ce que ça va donner là. Ouh, il m'a détruit mon service. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, zut. Oula, c'est quoi ça? Eh ben, un cauchemar. Oh là là!
je vais jamais l'avoir, lui, c'est pas possible. Aïe 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 aïe, je repère un serviteur encore. Bon, c'est ça s'est pas très bien passé là. Eh ben. J'aime pas très bien passer du tout. Ça me paraît mal barré pour aller jusqu'au bout. Aïe aïe aïe. Je vois pas comment je vais m'en sortir là. Comme ça. Ok, bon. Je suis passé finalement plutôt facilement. Ça. Oh, qu'est-ce que choisissait un visiteur? Je sais pas. Bon. Moi, je me disais, il va peut-être m'en redonner un. C'est vrai, les scorpions. Bon. Oh purée! Je
J'ai perdu un serviteur dès le premier tour. Oh là là. Compliqué, hein. Vraiment. Allez, on va essayer de. Après là, j'ai pas le super serviteur qui m'aidait beaucoup quand même en faisant perdre 5 d'ATK. Bon. On va voir ce que ça va donner, mais. Fiche 8 points de dégâts. On fiche 2 points de dégâts. On y va. Voilà. Bon, ça va être compliqué. Je me retrouve exactement comme la partie précédente. Je me retrouve en finale avec seulement 3 serviteurs. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais alors. Ouais, je vais rajouter lui. On va prendre ça en plus, parce que sinon, de toute façon, je suis déjà coincé, là. Donc là, il faut taper celui du centre. Quoi qu'il arrive, il faut taper lui. Il ne faut même pas se poser de questions. Alors, j'y arriverai pas là, c'est sûr, mais bon, on va voir ce que ça donne si je fais que taper lui. Faudrait que j'arrive en finale avec plus de serviteurs, hein. C'est trop juste, trop juste, trop juste. Même à 4, je suis pas sûr. À 5, allez, on va taper lui. Je vais taper que lui, même pas me poser la question. Commence très fort, voilà. Je peux rien faire, hein. Ah, rebelote, allez, bon, on arrête. Ça sert strictement à rien de continuer, c'est injouable. J'ai pas assez de points de vie. Je vais aller voir si je peux gagner un petit peu, faire augmenter mes personnages, parce que là, là, rien du tout. Super. Rien du tout non plus. Et rien du tout, il n'y a rien de rien. Bon, compliqué à nouveau ce niveau. Je vais deux fois au même endroit. Bon, je repars à nouveau, mais il faut que j'arrive stratégiquement à perdre moins de serviteurs. À un moment, mes personnages, ils gagnent aussi en expérience, donc je vais quand même à un moment pouvoir passer, c'est pas possible. Eh ben, dis donc.
là, c'est pas croyable! Mais c'est pas croyable, c'est injouable! Je perds déjà mon serviteur favori! C'est impressionnant! Balancer lui. Allez. Bon, je vais peut-être pas prendre de risque là, déjà ça. J'aurais peut-être dû prendre lui avant, mais voilà, j'ai mal joué sur ce coup-là. J'aurais peut-être dû le prendre avant parce qu'il me paraît quand même beaucoup plus puissant. On va voir ce que ça va donner, mais alors, donne deux, donne... inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires et commence 3 fois. C'est nul ça. Ça veut dire qu'ils ont que 6 points. En ce tour. Alors, début de partie, donne 2, 4 à vos orques et démons. On va prendre ça. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, là, le niveau commence très mal, hein. Je perds mon serviteur favori. Celui qui peut attirer les adversaires à être à attaqué avec son bouclier. Bon, ben. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre lui, lui. Ouais, je vais prendre lui, on verra bien. Oula. Ouais, il faut que ça fasse des dégâts. Bon, ça passe de justesse et je perds pas d'autres serviteurs, tant mieux. Ouf. Bon, c'est bien, je vais récupérer un peu d'expérience. Peut-être prendre ça aussi. Ouais, on est reparti, jouer. Je sais pas quels seront faits mes adversaires ou pas. Ouf. Si je prenais mes orques. On va essayer. Je vais garder les deux autres. On va essayer. On va voir ce que ça va donner.
Ouais ben. Alors. Cinq PV, on va faire ça. Bon, faut que je me fasse lui en priorité. C'est chaud là, c'est chaud patate. Ouais, c'est bon, c'est passé. La stratégie de mettre les bonus, les serviteurs qui avaient des bonus, a vraiment payé. C'est plutôt pas mal. Aux elfes, inflige 10 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Plus 2 aux arcanes. Je vais peut-être prendre ça. On va aller voir, rendre visite. Jouer. On va voir ce que ça a donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je vais réutiliser la même stratégie. C'est quand même. Je me demande si je vais pas utiliser la même stratégie. Oh, j'ai récupéré lui. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais tenter comme ça. Non. Bien joué. Oh non! J'ai perdu lui. Bon.
J'ai pas pris de risque. Bon, j'ai perdu qu'un seul serviteur. On va tenter comme ça. C'est reparti. Alors, est-ce que... Bah non, parce que si j'attaque pas celui du centre, il va me mettre son bouclier et puis il va me gêner. Je suis obligé d'attaquer celui du centre en premier. J'ai pas le choix. On va jouer le bourrin et puis... Allez, on y va, on va tenter comme ça, on va voir. Eh ben, dis donc. Ça se rapproche. Ça s'est resserré quand même, les amis. Pas chaud. Faut que je m'en fasse un.
Ah. Ouais, ce que je vais faire. Bon, ça me paraît pas mal, ça va être la victoire. Eh ben j'ai réussi. Oh victoire! Eh ben que c'était pas facile du tout, les amis. Ouf, 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 ouf. Oh purée. Ce niveau était quand même compliqué. Ça fait plaisir. Après deux défaites en finale. Alors, on va récupérer des bonus, on va voir ce que ça donne. J'ai utilisé la bonne stratégie pour réussir. Je suis plutôt content de ça parce que c'est vrai que c'était pas simple du tout. On va voir s'il y a des bonus possibles. Non, aucun bonus. En tout cas, c'était plutôt pas mal. Et puis, pour le prochain. Voilà. Pour la prochaine vidéo, j'attaquerai le niveau 20. Là, je m'arrête là pour cette vidéo. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.